Salut YouTube, nous voici donc sur un nouveau let's play de Carto. Je pense entre nous que c'est bientôt la fin de l'aventure, à moins qu'il nous réserve encore des petites surprises. On avait fini la zone du volcan la dernière fois, et là on en est à la zone de glace. Apparemment c'est des gens qui vivent sur des icebergs, chaque iceberg a son propre... Et peuplé par, je sais pas, peut-être deux, trois personnes chacun. En fait, un îlot, un iceberg représente une cabane, imaginons une maison. En gros, c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Donc, on va aller voir parce que notre grand-mère est censée être allée là-bas. Et je crois qu'elle nous attend. Donc voilà. C'est bon? Ok, l'image est là. C'est parti, on charge. On en est au chapitre 9. Tout début hein, de la zone de glace, j'ai sauvegardé pile poil quand quand on est arrivé sur l'iceberg. Un petit chargement qui prend un peu de temps. Voilà, donc magnifique, hein. Un blanc un peu bleuté, super, franchement magnifique. Alors regardons la carte un peu. Donc je vais essayer de visiter, histoire de voir un peu ce qu'on peut faire. Donc là, il y a des rochers, je ne peux pas passer. Ok. Je peux tricher. Non, je peux pas passer par là. Là, il y a de l'eau, donc peut-être qu'on ira pêcher à cet endroit-là. Il y a un morceau de carte ici, qu'on récupère tout de suite. Didum. Je suis venu chercher de la nourriture, je ne m'attendais pas à trouver une nouvelle amie. Tu m'as l'air d'avoir froid, petit flocon. Prends mon écharpe, elle te tiendra chaud. Ah, super, merci. Contente qu'elle te plaise, et j'en ai plein d'autres. La vie est difficile ici, nous devons tous nous serrer les coudes. Tu as l'air d'avoir voyagé longtemps avant d'arriver ici. J'espère que tu trouveras ce que tu es venu chercher. Ok. D'accord, donc le pont, je ne peux pas. Un pont en bois délabré, il a l'air sur le point de s'effondrer. D'accord. Et il n'y a pas moyen de passer de l'autre côté. On peut... Ah, d'accord. Donc c'est carrément toute cette zone qui est comme ça. Ah oui, d'accord. Alors... Ah oui. Je pense qu'il faut le mettre comme ça. Pas sûr à 100%, mais... Vu que c'est le seul endroit où il y a vraiment de l'eau, à moins que je le mette comme ça, mais dans ce cas-là, ça sert à rien. Donc forcément, j'ai pas trop le choix. C'est comme ça. Encore de l'eau. C'est beau, en plus la petite musique. Vraiment sympa. Ok. Il n'y a rien à voir ici. Ok. Donc je suis là. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux faire ça. Comme ça, ouais, non. Comment est-ce que je peux tourner ça? Comme ça? Mais je suis pas débloqué. Ça me débloque rien du tout là. Faut que je trouve un moyen d'aller vers une des maisons. Ça m'a l'air un peu compliqué. À moins que je fasse ça. Non, je suis pas au bon endroit. Hein. Je crois que je suis vraiment pas au bon endroit. Je vais retourner là-dessus. Ouais. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse passer le pont. Si j'arrive à passer le pont d'une manière ou d'une autre, je me débloque. Un pont en bois délabré, il a l'air de s'effondrer, ouais. Pourquoi on peut pas le... Attendez. Déjà, un morceau de tissu tout doux qui tient chaud au cou. D'accord. Je me suis dit que j'avais rien à faire, mais. D'ailleurs, elle est où la... Ah oui, c'est vrai qu'elle avait dit, notre copine, elle avait dit que... Elle irait mettre le bateau ailleurs.
Et n'hésite pas à venir me voir si tu as besoin d'autres écharpes. Ok. Faut que je trouve un moyen de passer, mais comment? Comment? Parce que là, je peux pas. Là, je pourrais me débloquer si je pouvais passer le pont. À moins qu'il faille juste que j'aille voir. Comment est-ce que je peux faire? Ouais, mais comme ça marche pas. Ça m'aide pas du tout. Ça m'aide pas du tout. Je suis déjà bloqué, je viens juste d'arriver. C'est dommage, je vois pas du tout comment on fait. Parce que ça va pas m'aider. C'est vraiment le pont le problème. Ah, je peux comme ça. Parfait. Salutations. Il est toujours agréable de rencontrer quelqu'un de nouveau, même si je suis actuellement en mauvaise posture. Je suis reparti sans mon sac après mon dernier repas. J'ai abandonné mes cornichons. J'étais sur le versant opposé de la montagne, de l'autre côté du pont. Mais j'ai besoin des outils dans mon sac pour réparer le pont. Et bref, tu vois le problème, je suis un véritable cornichon. Il a dit quoi? Près de la hutte de stockage à côté de la montagne. Près de la montagne. Donc c'est celle-là, là. Maintenant, je peux faire ça, je suis à l'intérieur. Une hutte de stockage enneigée est bien fermée. Hop, on récupère le sac. Voilà, qu'elle était fermée, donc voilà. Ok. On lui donne son sac, évidemment. Tu as réussi, petit cornichon. Bien, mettons-nous au travail. Fais-nous un beau pont. Yes. Comme neuf, ou presque. Depuis que les chèvres sont allées migrer dans des coins plus chauds, nous avons du mal à gravir les montagnes. Ces ponts nous sauvent la vie. Je dois m'occuper des autres ponts, mais je te dois un concombre. C'était pas un cornichon à la base? Donc là, il n'y a rien de spécial. Je me suis fait arnaquer là, en fait. Bon. Ah, les deux ponts, ils ont été réparés là? Donc je peux me remettre comme ça. Ah mince. Non, j'ai fait une bêtise. Faut que je revienne sur l'autre. Voilà. Là que je suis sur l'autre, je peux me mettre là et descendre. Ok, c'est parfait. Le pont a été réparé, je récupère la nouvelle case. On vérifie qu'il n'y en a pas d'autres. Ok. Alors, une nouvelle case. Je le verrai bien comme ça. Mais ça m'aide pas à aller. Là, je pourrais pas. Je pourrais ici. Là, je peux pas. Comme ça. Je peux pas. Ok, donc faut vraiment le faire par rapport à la forêt. Donc ça serait là. Enfin, ça serait plutôt comme ça.
Donc comme ça. Et... D'accord. J'étais même pas allé visiter celle-là en plus. Mince. Ah oui, d'accord. J'ai pas pris le temps d'aller visiter la case. Ok. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. En vrai, je vais remonter. Tant pis. J'ai pas trop le choix. Faut que je refasse encore la même chose que j'ai fait juste avant. Donc là, c'est bon, je suis là. Là, faut que je le décale. Comme ça. Et évidemment, il n'est pas assez décalé. Voilà. Donc je descends au niveau du pont. Hop, ça, je peux le décaler. On va voir là. Voilà. Attention, glace glissante. D'accord. Rien de spécial, il n'y a pas un pont. Ah si. C'est... Ah oui. Je vais aller voir quand même, on va voir s'il n'y a pas un truc caché. Ok. Rien de spécial. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que la glace, pour l'instant, je peux rien faire avec. On peut le mettre comment celui-là? Je peux le mettre comme ça aussi. Ce qui pourrait peut-être me permettre de... Ah, dommage. Je peux le mettre comme ça, mais ça m'arrange pas des masses. Parce qu'il n'y a pas de pont en fait. Donc ça sert pas à grand-chose non plus. Après, ce que je vois... C'est que il faudrait que je sois sur la case à droite. Donc en fait. Ok. Faut que je sois là. Voilà. Et je peux me mettre comme ça. Ah yes. Parfait. Bonjour. Tu dois être la nouvelle venue. Les nouvelles voyagent vite ici. Contrairement à nos icebergs. En fait, nos icebergs se déplacent très lentement. Ils se séparent et dérivent parfois des heures durant ou des jours entiers. Tout ça pour se retrouver, mais dans une configuration différente. Le hack dit qu'il y a 7 icebergs, mais nous n'en avons compté que 6. Je le crois quand même, parce que c'est un expert en matière d'archéologie et de survie. Tout le monde apporte sa contribution ici. Tes coques nous protègent des bêtes des glaces. Aluzi m'a fait un joli pull à partir d'épines de pin et de fourrure. Et j'ai navigué sur l'océan entier pour cartographier les mouvements des icebergs. Tu trouveras certainement un rôle qui te convient si tu restes. Donc, d'accord. D'accord. Ce que je vois moi, c'est ça. Je vais monter histoire de voir au moins la zone. Voilà. Voilà. Normalement là je suis retourné sur la bonne case. Et du coup, on peut... Je peux faire ça? Non. Je peux faire ça. Et remonter par le pont pour aller vers le truc de glace et essayer d'aller au village. Attention, glace glissante. Ah. Ah, je peux y aller que comme ça? Attends. Attends, frérot. Hein. Ah. Ça match pas.
Ça match pas du tout. Ah là là. En fait, je l'ai mis là, alors que c'était pas ça qu'il fallait faire, je crois. Mais du coup, là, je suis sur cette case. Du coup, je vais la mettre là. On va voir ce que ça donne. Ah non, ça match pas, hein. Toujours pas. Ok. Donc il doit manquer un morceau quelque part. J'en ai pas, hein. Non. Qu'est-ce que j'ai pas visité, franchement? Réfléchis. Je pourrais peut-être arriver via les bois. J'espère que, genre, si je prends ça, je peux. Donc, je peux aller à la porte. Si j'étais resté là où j'étais, j'aurais pu aller à la porte. D'accord. J'ai un de mes posters qui tient pas. Bon, faut que je retourne. Faut que je retourne. C'est pas grave. En fait, faut pas retourner en arrière. J'ai l'impression, parce qu'à chaque fois, je fais les... Ah mince, c'était pas ça. Ah non, c'était celui d'en dessous, je crois. C'était celui-là. Voilà. Donc je vais ici. Ensuite, je prends ça. Et je vais là. Il lui manque la touche finale. Ok. La porte est verrouillée de l'autre côté. D'accord, donc on ne peut pas. Je peux rien faire. Donc ça ne servait à rien. Autant remettre là. C'était où? Ouais, c'était ça. Alors. Bon. Là, normalement, je suis bien. Il faut juste que je décale celle-là. On va vérifier toutes les portes, hein. La porte est verrouillée de l'autre côté. D'accord. Donc le seul moyen d'y aller, c'est par la glace, hein. On est d'accord. Est-ce qu'il faudrait pas que je retourne voir le vieux là? Comment je peux faire? Ça match pas. Ça match, mais je pourrais pas aller le voir. À moins que. Ah oui, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Donc je vais ici. Là, je remonte. Ici, je le. Mince, comment j'avais fait? Ah, c'est. Ah non. Comment j'avais fait? Je viens de le. Non, je l'avais. J'avais pas vu qu'il y avait du rouge. C'est bizarre ça. Attendez, je vais le poser. On va décaler ça. On va décaler ça. Je voudrais aller revoir le vioque
C'est dans sa maison. Non. Il y a une corde. Il est pas chez lui là? Ah tiens. Bah voilà, bah, je pense que c'est ça, hein. Du coup. C'était ça là. C'était ça. Je me suis embrouillé encore. En fait, je me suis pas embrouillé vraiment, mais c'est juste que je suis pas au bon endroit sur la carte. Je pourrais faire ça. Lui, c'est pas sûr que je puisse. Je peux le poser là. Lui, il était là. Ouais, mais je suis obligé d'avoir. Non, lui, il faut absolument qu'il soit comme ça, comme ça. Ok. Donc, du coup, comment je récupère. Ouais, faut que je la récupère. Voilà. Faut que je retourne de l'autre côté. Du coup, il me faut un pont. Voilà. Là, il y avait un bonhomme de neige. Il lui manque la touche finale. Ah, je vais devoir trouver des bras alors. J'espère que c'est pas une quête annexe. Le problème c'est que là pour l'instant je suis pas sûr de pouvoir. Comment je peux faire? Est-ce que j'ai assez de blocs au niveau de la glace pour arriver jusqu'au village? Je vais essayer de retourner voir l'autre. Ici là. Faut que ce soit comme ça. Quoique je peux le me. Je pourrais peut-être. Je peux comme ça, mais je peux pas. Ouais, c'est bon. Ce que je devais faire, c'était passer de l'autre côté. Quoique. Ah si, je vois ce qu'il faut que je fasse. Ah mais je peux pas passer là. Quoique peut-être un peu plus loin. Ah non, ça passe pas, hein. Ce bloc il veut pas. Ou alors faut que je. Oh, mais ça passe pas. Donc c'est forcément avec les ponts. Comment est-ce que j'avais fait? J'ai un petit problème là. C'est ça. Attends, je vais le poser comme ça, je vais prendre plutôt lui. En bref, ouais, c'est ça. Hein. Donc, il y a ça, évidemment.
Comment j'avais fait? Je vais retourner là. Ça, peut-être que ça débloquera ma situation. Ce que je veux, c'est retourner au niveau de l'eau là, sur cette case-là. Au niveau du cercle en clos d'eau là où il y avait le pêcheur. Peut-être qu'il pourra me donner un indice sur ce que je peux faire. Là j'étais là. Ouais mais il me faut un pont. C'est le pont qui me fallait. Donc ouais, donc ça va matcher là. Du coup je suis au niveau des ponts. Est-ce que c'est celui d'en bas qu'il me faut? Ouais. Forcément celui d'en bas. Ah quoique. Ah ouais, c'est celui de. Ok. Il faut que je remonte. Alors, le petit pont il est là. Hop. Voilà. On descend. Je vais fouiller un peu hein, pour essayer de trouver les bras du bonhomme de neige. Une manière futée de lécher dans la glace. Il attrapera peut-être un brochet. Je suis toujours à l'affût du 7e iceberg. Un jour. Bon. Il m'a parlé d'un 7e iceberg. Sachant que je ne sais pas ce que signifie un iceberg dans le jeu. Là j'en ai un. Je suppose que c'est ça. 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4. Donc déjà de base le 7e iceberg, j'ai même pas déjà vu tous les icebergs que je devais avoir. Forcément si je dois trouver quelque chose, ça va être là. Ça va être ici. Les bras du bonhomme de neige, ils peuvent être où? En tout cas, ils sont pas là. Hein. Bon, lui, il me sert à rien. Il m'a donné une énigme. J'en ai pas vraiment l'utilité. Bon. Où est-ce que je suis pas? Je suis allé là. J'ai trouvé un truc, mais... Je crois que c'était la tête du bonhomme de neige. En vrai, faut que j'aille ici. Hein. Je pense que faut que je gère avec la glace, tout simplement. Hein. Faut que je trouve comment la placer. Ok, bon. On est parti pour se casser la tête sur la glace. Ouais, je pourrais faire ça, mais ça sert à rien de spécial. Il faut que j'aille dans des bois. Bah du coup, je peux directement faire ça en fait. Allez, je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de. Là, il y a le bonhomme de neige, mais il lui manque les bras. Ok. C'est pas du tout là que je dois être. Ça va être. Comment ça? Ah, c'est comme ça, je crois. Attendez. Je vais essayer de refaire le setup que j'avais tout à l'heure. Donc là, j'avais un truc dans ce genre-là. Là, j'avais un truc dans ce genre-là. Et... Non. Je peux quasiment que le mettre là. Donc déjà, je suis pas au niveau du bon pont. Donc... Je vais descendre. Tout simplement. On va aller au pont et on va refaire le setup. Voilà, on est au bon endroit. C'était quoi? C'était ça. Et ça. Donc, au niveau de la glace.
Donc là, je rentre. Je rentre dans le setup. Ok. Je dois prendre celle-là, aller là. Pourquoi on peut pas glisser plus? C'est peut-être vers le haut qu'il faut aller. Attendez, il n'y a pas de glace, je me mets un... Voilà, je les mets loin, comme ça je peux peut-être les réutiliser. Si je fais ça, c'est mort. Donc c'est forcément... Ok, je suis bloqué. Là, si je continue, c'est foutu. Je suis obligé d'aller au moins là. Après... Donc, vers le bas, ça fonctionne pas. Ah, je peux le mettre comme ça. Attends, parce que maintenant que je suis dessus, autant le mettre là. Voilà. Oh! Ya! Hein? Tu n'es pas une bête des glaces. Même pas une bête tout court. Oh, j'ai failli faire dans ma fourrure. Mais on dirait bien qu'une bête t'en a fait voir. Approche, je vais te faire un petit bandage. As-tu entendu parler de la légende de Luhak? C'est notre chef et un grand aventurier. Il dit que nous trouverons un jour un trésor sur un septième iceberg élusif. Les chasseurs de trésors viennent des quatre coins du monde après avoir entendu la légende. Mais la plupart finissent par se décourager et à quitter l'iceberg. Je suppose que nous autres qui sommes restés nous accrochons toujours à un semblant d'espoir. Est-ce là la légende qui t'amène ici, jeune voyageuse? Non. Je vois. Nous avons tous notre propre idée de ce qu'est un trésor. Tu trouveras le tien, je n'en doute pas. Personnellement, je voudrais un peu d'aide pour la chasse. Ma lance a perdu de sa superbe à force de combattre toutes ces bêtes des glaces, ou de dessiner dans la glace pendant que je les cherche. Voilà, tu es bien rapistolé. Reste au chaud. Ok. J'espère que mon écharpe te tient bien chaud. Est-ce que tu aimes ce nouveau modèle que je porte? Je viens tout juste de le tricoter. Elle est magnifique. Oh, c'est ma contribution à la communauté. Tout le monde trouve sa méthode. En ce qui concerne la tienne, je vois que tu possèdes un excellent sens de l'orientation et que tu ne te perds jamais. Tu pourrais peut-être aider Luhak à chercher le trésor. Tu en as certainement entendu parler. Qu'est-ce que ça peut bien être? Personnellement, j'espère qu'il s'agit d'un matériau infiniment chaud. Mes doigts s'engourdissent constamment quand je tricote, même avec ses gants. Oh, elle tricote avec des gants, quoi. C'est ouf. Une hutte chaleureuse. Ok. Il n'y a pas les bras du... Tiens, un morceau de carte, déjà, c'est bien. Divers conteneurs d'aliments. Ok. Je cherche vraiment les bras de... Non. Un feu qui fait chaud au cœur et au corps. Quel plaisir dans ce froid. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Est-ce que je peux pas ouvrir les portes? Ah! Comme ça, on s'ouvre des raccourcis. Pareil, celle d'en bas. Mais je vais d'abord parler au vieux. Ah, elle est dans l'autre sens, par contre. Comme on se retrouve. Malheureusement, je viens tout juste de donner mon dernier cornichon. Pour me faire pardonner, je vais te parler de cette base où nous nous trouvons. Elle relie les différentes régions de l'iceberg. Une derrière chaque porte. Ainsi. Où que les icebergs dérivent, nous pouvons y accéder. Est-ce que tu apprécies mes anecdotes bien fraîches?
Il est généralement plus facile de se déplacer en partant d'ici. Bonne chance. D'accord. Donc j'ai ouvert de toute façon les raccourcis. Celui-là, je ne peux pas. Parce que c'est pas. Je peux pas y accéder encore. Parce que j'ai pas encore la neige avec des petits oiseaux dessus. Bah voilà, bah j'ai la neige avec les petits oiseaux. Par contre. J'ai pas. Comment est-ce que. Comment je vais faire? Parce que là, il y a deux zones que je peux pas. Je peux pas y accéder tout simplement. Hein. Faudrait que. Est-ce que. Attendez. Je voudrais voir si. Non. Bah mince. Comment je peux accéder? Ah, faut que je trouve comment accéder à la zone avec les petits oiseaux, du coup. Y a pas un. Est-ce qu'elle aurait pas. Je me demande si il n'y aurait pas la fille là. Qui. L'autre fille aux cheveux bleus. Qui serait pas au niveau de la mer et qui nous emmènerait pas au niveau de cet endroit-là. C'est un pari, hein, mais. Je vois pas comment faire sinon. Hein. Je vois pas comment faire. Non. Par contre, si je le mets là. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que je peux accéder ici? Attendez. C'est tout de suite plus simple, j'ai l'impression. Là. Non. Parce qu'il y a peut-être un morceau de carte, hein, qui sait. Non. Rien du tout, les frérots. Rien du tout. Je peux rien en faire, hein. Vraiment, pour l'instant, je vois pas ce que je peux en faire. Ce que je voudrais. Donc moi, je suis là. Donc je retourne. Je voudrais aller voir à la hutte, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a vraiment rien du tout. C'est terrible. Bon,
Enfin, que je reste. Toutes les meilleures choses valent la peine d'attendre. Nous autres qui sommes restés le comprenons très certainement mieux que quiconque. Ok. J'ai tellement hâte de me réchauffer les mains. Ouais. Et lui, il est généralement plus facile de se déplacer en partant d'ici. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 sur les 6 annoncés. Mis à part passer par l'eau, je vois pas comment on peut faire. Parce que là, la porte, elle est fermée et je ne peux pas l'ouvrir. Je réfléchis, hein, les frérots. Vous inquiétez pas. Bon, tant pis. Je vais faire la pause sur la VOD maintenant, comme ça, ce sera fait, ce sera tranquille. 40 minutes, c'est pas mal. Donc YouTube, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.